Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors ça va être le setup 2019. Alors je pense que ça sera le setup final pour cette année 2019. Alors aujourd'hui, je vais vous tout vous présenter, voilà mon setup. Alors malheureusement, je ne pourrais pas mettre les liens dans la description. Donc je vais vraiment tout vous détailler, ce que je vais vous présenter. Et également, je vais vous montrer, enfin je vais faire une vidéo à chaque produit. Par exemple, l'écran qui est ici, j'en ferai une vidéo, le cas j'ai déjà fait, le Mac j'ai déjà fait, le micro etc. Mais voilà, sur les appareils que j'utilise et que j'ai pas encore fait de vidéo, je vais en faire bientôt, ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon setup vraiment complet. Donc voilà, il y aura vraiment tout. Souvenez-vous, avant il y avait juste le Mac, maintenant il y a l'écran, la Play, il y a vraiment plein de choses qui ont changé. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et que vous allez bien aimer ce concept de vidéo. Voilà, c'est pas tous les jours que je fais des vidéos setup les amis, c'est pas, franchement ça m'a mis beaucoup de temps pour faire une vidéo comme ça et également pour arriver à ce point là. Voilà, là j'ai fait un setup pour moi, il est clean, voilà c'est un joli setup, moi il me plaît, voilà donc c'est l'essentiel, franchement je l'adore, il est vraiment punaise de clean. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce setup. Allez, on est tout de suite parti pour la vidéo, c'est parti les gars. Alors voilà ce que ça donne au niveau du setup. Voilà, je vous montre tout. Voilà, après je vais vous dire voilà ce que ça représente. Voilà, voilà, vous voyez tout. Alors j'ai pas allumé la lampe les gars, j'ai fait exprès, ne vous inquiétez pas. Derrière là j'ai pas encore rempli. Voilà, quand je vous dis que le setup n'est pas tout à fait finalisé, voilà, il manque quelques détails encore, mais l'essentiel est là. Alors pour commencer, donc la vidéo setup, donc ma chaise gaming, voilà. Donc c'est une chaise que je vous ai présentée il y a quelques mois, voilà. Donc elle est très très bien, très 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 confortable. Vraiment, ça c'est vraiment un très très bon point pour cette chaise. Alors, le seul petit bémol, c'est à cet endroit. Alors en fait, là, vous voyez, il y a du scotch. Parce qu'en fait, souvent, là ça se dévisse. Voilà, les accoudoirs se dévissent. Ce qui fait que ça appuie sur cette... La partie en plastique dessous et ça l'abîme. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai mis du scotch ici. Sinon la chaise est très bien et très confortable, je vous la conseille beaucoup. Je l'ai acheté en promo à 90€ au lieu de 120, donc ça vaut vraiment la peine. Donc je vous conseille à tous cette chaise gaming. Voilà, donc vous mettez sur Amazon chaise gaming, vous cherchez bien et aux alentours des 110€, 120€ maintenant, vous allez la trouver. Alors voilà, ici donc nous avons du pop Fortnite. Alors j'ai le pop que j'ai acheté, les deux pops sont nouveaux. Alors c'est un décor maintenant sur mes streams. Voilà, donc là on a un pop Fortnite, donc c'est le 457, donc le motard. Et en dessous c'est un cadeau d'une abonnée qui est dans mon collège. Voilà, donc si tu te reconnais, bah dédicace à toi. Et voilà, donc c'est un cadeau d'une abonnée. Merci à elle, merci vraiment beaucoup parce que là voilà, du coup c'est dans mon setup et... ça en clean, tu vois, il y a ma chaise gaming ici et c'est vraiment clean. Alors j'ai fait ça un tour en carte là pour l'instant parce que j'ai pas de petit meuble pour mettre dessus. Voilà, on improvise hein. Mais ça rend vraiment stylé quand même. Voilà, en vidéo c'est à peu près ça avec la chaise qui est là. Voilà, donc franchement ça rend quand même plutôt clean. Donc je suis assez satisfait de ce petit décor même s'il est vraiment très léger. Alors ici nous avons le MacBook Pro 2009. Voilà, donc c'est toujours le même depuis mes dernières vidéos. Voilà. Donc c'est le Mac, franchement c'est au début c'était le seul ordinateur que j'avais, où je le mettais là, enfin j'ai un seul PC pour l'instant mais ça je vous en parlerai après. Alors voilà, je l'ai customisé, voilà, donc j'ai mis un petit sticker, je l'ai placé ici, voilà, et je trouve qu'il rend super bien, voilà. Donc après, plus tard, quand j'aurai fait les mises à jour, je mettrai le chat ici, quand j'aurai une bonne co, là je jouerai. J'aurai le chat là, le compteur d'abonnés, ce qui sera divisé en deux. Je pourrai vous répondre en direct et en même temps je joue. Voilà, donc ça va être un bon concept. Après, il faudra que j'ai une bonne connexion. Pour l'instant, bah je peux pas trop. Après, j'ai peut-être joué bientôt à faire des streams, bientôt à des jeux de voiture. Pourquoi? Parce que ça dépense tout simplement pas trop de Wi-Fi et du coup, les streams seront de bonne qualité. Voilà pourquoi bah, Fortnite, en termes de Wi-Fi, bah, ça bug souvent. Donc c'est un petit peu le souci de ces genres de jeux. C'est pour ça que je vais peut-être passer sur des jeux de voiture. Voilà ce qu'il en est en tout cas du Mac. Voilà où il est placé à présent. Une grande nouveauté les amis que vous ne savez peut-être pas. C'est le nouveau écran. Donc ça fait déjà 2 mois que je l'ai. Donc c'est un écran tout simplement incroyable. Donc
Vraiment, c'est un bel écran de très bonne qualité, bord à bord, donc idéal pour les montages, je vous les conseille d'ailleurs beaucoup. Alors, c'est un LG, voilà, vous voyez pas trop, mais voilà, c'est un LG. Donc, il est de très bonne qualité, je vais en faire une vidéo dessus justement, parce que je suis très très satisfait de ce produit. Voilà, donc vraiment j'aime beaucoup, je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la taille. Je trouve que c'est suffisamment grand, et pour les jeux vidéo, j'aime beaucoup. Alors, ici, on a toujours le Google Home qui me suit de partout. Alors là, je ne l'ai pas configuré, mais voilà, j'ai changé de Wi-Fi, etc. Mais il n'est pas encore configuré, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc pour l'instant, je laisse de côté. Alors là, c'est une lampe LED, je ne l'ai pas allumée tout simplement parce que je n'ai pas pu. Il n'y a plus d'emplacement USB disponible pour l'instant pour la brancher. Alors là, donc il y a ma PS4, donc ça, c'est une nouveauté, clairement. Avant, elle n'était pas là, voilà. Donc ça c'est clairement une grande nouveauté, donc ça fait longtemps que je l'ai, hein. Mais c'est juste qu'avant je ne l'avais pas placé dans mon setup. Alors là, voilà, donc vous avez une manette grise, noire, donc classique. Alors celle-là c'est la spéciale 20 ans PlayStation, donc c'est vraiment une manette un petit peu spéciale, car aujourd'hui c'est une manette rare, elle est sortie pour les 20 ans de PlayStation. Voilà, donc c'est la PS4 normale, pas la Pro, voilà la classique, mais elle est très bien, voilà. Bah aujourd'hui, voilà, c'est une 1 Tera et elle passe très bien pour les streams. Voilà, donc moi je pense que c'est une bonne console encore. Au niveau du casque, nous sommes sur un casque Amazon. Voilà, donc la marque c'est Throne Smart. Voilà, donc c'est plutôt un très bon casque Amazon. Même le micro, je l'ai testé deux fois en stream, il est de très bonne qualité. Alors, niveau confort, c'est assez impressionnant, c'est vraiment très très confortable ce genre de casque. Je suis très satisfait, même s'il fera un petit peu plastique ici. Mais bon, pour 30 euros, on va pas s'en plaindre. C'est un très bon casque. Je vous le conseille fortement. Donc j'ai enlevé le casque. Voilà la taille de l'écran de PC. Voilà. Donc c'est un très bel écran LG. Donc voilà, vous voyez mieux. Voilà. C'est un très très bel écran, très grand. Et franchement, il fait vraiment bien son taf. Et je suis très fier de cet écran. Alors pour la sono, j'ai choisi double JBL. Voilà. Donc bientôt elles sont reliées à mon écran de PC et du coup ben, on aura en même temps par les deux JBL un bon son qui sortira. Ici nous avons le micro, le Beard UM1. Donc vous le connaissez peut-être, je l'ai présenté en vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir. Alors ce Beard UM1 il est monté sur une perche, voilà. Donc je ne connais pas le nom de la perche mais je sais qu'elle est très bien, voilà. Elle me permet de faire plein de choses, la régler. Enfin bref, c'est un très bon micro de très bonne qualité. Voilà, en plus, il est bien stable, voilà, c'est de la très bonne qualité. De toute manière, vous voyez en stream, je parle avec une, enfin, comment dire, genre, c'est un micro de qualité, du coup, bah, au niveau de ma voix dans le stream, ça fait qualité. Vous voyez ma petite caméra, la webcam, donc c'est la webcam de PlayStation, voilà. Donc, 50 euros, je l'ai acheté sur Amazon, voilà, classico, mais c'est la webcam Amazon, enfin, la webcam PlayStation, qui est très très bien. Voilà, nous avons le petit logo YouTube imprimé avec une imprimante 3D. J'en ai fait une vidéo qui n'a pas trop marché, mais c'est pas grave, voilà. Je laisse ça comme ça, voilà, avec le casque qui est normalement sur l'écran. Alors, au niveau des LED, les gars, on peut tout simplement changer plein de couleurs. Donc après, elle bug un peu, la télécommande, ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais voilà, on peut mettre vraiment plein de trucs, voilà, différentes couleurs. Mais voilà, comme vous voyez, ça obéit pas trop, hein. Voilà, j'appuie. Il ne se passe pas grand-chose. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, après, tant pis. Voilà, les amis, j'espère que ce setup vous aura plu. Alors là, voilà ma multiprise, voilà, pour finir, voilà. C'est là où je branche toutes mes affaires. Donc voilà ma multiprise. Je vous montre de loin ce que ça donne. Voilà. Donc là, on est clairement sur un très beau setup. Alors, la chaise gaming qui est là. Les pop Fortnite qui sont là, voilà. Là, on a le micro, la console. Alors, c'est mieux quand il fait jour. Après, en stream, c'est vrai que ça se voit pas trop parce que là, il y a la couleur, voilà. Là, nous avons le casque, le nouveau, qui est très beau. Du coup, sur moi, quand je le mets, bah, ça fait stylé quand je fais des facecam. Voilà. Ma sono, mon nouvel écran, voilà. Donc, on verra bien dans quelques années ce que ça donnera. La caméra, donc la webcam PlayStation. Voilà. Là, j'en ai pas trop parlé, voilà. Voilà, j'en ferai dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Là, donc, mes AirPods, deux, trois petits drones, voilà. Tranquillement, ma batterie externe, deux, trois jeux PS4 et batterie, voilà. Donc, le petit MacBook Pro également.
Alors voilà ce que ça donne de loin. Donc j'espère que c'est joli. Voilà. Moi en tout cas les gars, j'aime vraiment beaucoup. C'est hyper stylé quoi. J'ai vraiment réussi à faire un setup vraiment plutôt clean. Curieux, voilà où je stocke toutes mes boîtes. Donc mes boîtes sont toutes là. Voilà. Donc il y a vraiment toutes les boîtes. Voilà. Donc là vous voyez vraiment toutes les boîtes. Et donc c'est tous les endroits où j'entrepose mes boîtes. Du coup ça fait assez stylé quand je rentre dans ma chambre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la vidéo setup 2019. Donc c'est sûrement le dernier setup voilà pour cette année. N'oubliez pas de liker un maximum cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à aller voir ma page d'Utip. Voilà. Donc je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller la voir pour me soutenir gratuitement. Voilà, pour que j'achète des objets pour mon setup. N'hésitez pas. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Bye bye tout le monde.